Je vous souhaite la bienvenue dans le cabinet des livres du château de Chantilly, qui célèbre lui aussi le bicentenaire de la naissance du duc d'Aumale à sa façon. Le duc d'Aumale était qualifié de prince des bibliophiles et je vais essayer de vous en expliquer les raisons. La première raison pour laquelle le duc d'Aumale peut être qualifié de prince des bibliophiles, c'est son héritage. Il hérite en 1830 non seulement du château de Chantilly, mais de 800 manuscrits, 800 manuscrits qui ont appartenu à l'une des plus grandes familles de France, les Bourbon-Condé, des manuscrits de toute beauté qui ont appartenu aux Montmorency, notamment à Anne de Montmorency, le plus grand bibliophile de la Renaissance, qui ont appartenu au Grand Condé, l'un des plus grands collectionneurs de son temps. Et cet héritage constitue non seulement un ensemble extraordinaire, mais constitue une leçon de bibliophilie pour le prince qui va s'y faire l'œil et apprendre comment les bibliothèques anciennes étaient constituées. À cet héritage, dont la constitution s'est étalée pendant plusieurs siècles, le duc d'Aumale va juxtaposer sa collection personnelle. Et la qualité de cette collection personnelle est la seconde raison pour laquelle on peut le qualifier de prince des bibliophiles. À partir de son exil à Londres, il fréquente les aristocrates anglais qui sont souvent de grands bibliophiles. Il fait partie de sociétés bibliophiliques anglaises et grâce à la fortune des Condé, il s'abandonne à ce qu'il appelle la bibliomanie. Il achète des livres dans les librairies anglaises, dans les grandes ventes en Angleterre mais également dans toute l'Europe. Il achète deux bibliothèques célèbres et de très grande qualité, la bibliothèque Standish et la bibliothèque Cigogne, qui vont former l'ossature de sa collection personnelle. Donc, le duc d'Aumale constitue au fil du temps un véritable cabinet des livres précieux, particulièrement cohérent, dans lequel on trouve les livres les plus rares, les plus anciens, les textes les plus précieux, tout un ensemble de livres de très grande qualité visuelle grâce à de grandes marges, grâce à des reliures de toute beauté, grâce à des illustrations somptueuses. Une des particularités de la bibliothèque également, c'est l'histoire des volumes. Beaucoup ont appartenu à des princes, à des rois, à des personnages célèbres, à des écrivains qui les ont annotés, par exemple Montaigne ou Racine. Donc au total, c'est une bibliothèque assez inouïe, dont le fleuron est constitué par les très riches œuvres du duc de Berry, lui aussi un livre princier, puisque le duc de Berry était le frère du roi Charles V. On pourrait citer bien d'autres livres célèbres, comme le psautier de la reine Ingeborg, l'épouse du roi Philippe Auguste. Il faut également citer les peintures réalisées par Jean Fouquet pour les heures d'Étienne Chevalier qui sont en permanence exposées dans le santuario du château de Chantilly. La troisième raison pour laquelle le duc d'Aumale peut être qualifié de prince des bibliophiles, c'est sans doute cette pièce qu'il a fait aménager à partir de 1875 par l'architecte Honoré Daumé pour abriter sa collection. Donc c'est une bibliothèque qui est souvent qualifiée de paradis pour bibliophiles et c'est effectivement une pièce extraordinaire qui a été conçue aussi bien pour la sécurité des collections que le confort du lecteur. C'est apparemment une bibliothèque ancienne, c'est en réalité une bibliothèque moderne construite selon les principes les plus innovants de l'époque. C'est une architecture de fer. Elle est dédiée au prince de Condé, l'un des grands collectionneurs du XVIIe siècle, dans la lignée duquel le duc d'Aumale veut s'inscrire. Donc, le décor de la bibliothèque est très sobre, constitué uniquement par les couleurs des reliures et les dorures. On dit que le prince a choisi minutieusement l'emplacement de chacun de ses livres sur les rayonnages de manière à faire chanter les ors et les couleurs entre eux. Ultime caractère princier de cette bibliothèque, sa générosité. Du vivant du duc d'Aumale, la bibliothèque était ouverte aux chercheurs, aux érudits, aux sociétés bibliophiliques et
comme le reste de son château, l'ensemble a été donné par le prince à l'Institut de France en 1886, à condition que la collection soit ouverte et continue à être accessible aux lecteurs. Autre aspect de la générosité des princes, il a été parmi les premiers à faire reproduire ses collections, et notamment les très riches œuvres du duc de Berry, pour les partager avec le plus grand nombre de lecteurs possible. Il a également confié à la Société des bibliophiles français un certain nombre de ses trésors pour que l'on en fît faire des facsimilés. On peut noter qu'en 1886, lorsque le prince a été exilé une seconde fois, la Société des bibliophiles français tout entière a décidé de s'exiler elle aussi pour ses réunions, donc de se transporter à Bruxelles de manière à ce que le prince puisse assister à ses réunions. C'est là un bel hommage au prince des bibliophiles. De nos jours, le château de Chantilly perpétue cette tradition bibliophilique en accueillant des lecteurs dans sa salle de lecture, en accueillant des visiteurs dans le cabinet des livres qui sert de salle d'exposition, et puis des sociétés bibliophiliques continuent à déposer leurs ouvrages, leurs publications au château en hommage au prince.